Salut, vous avez compris en lisant le titre de la vidéo qu'il m'était arrivé quelque chose d'un petit peu particulier, mais qui risque d'arriver à la plupart des mecs en plus. Alors que tu sois un homme ou une fille, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je précise ça parce que j'ai regardé les statistiques de mon audience et mon audience est composée à 78% d'hommes, de garçons, et donc à 22% de filles. Parce que c'était important que ça fasse bien 100% quand même au final. Et puis, vous l'avez compris, m'est donc arrivé très récemment quelque chose de très spécial, de très étrange. Mais avant d'y venir, il faut que je vous reprécise quelque chose d'autre. Si on regarde les 480 vidéos que j'ai faites, la première vidéo se passe avec un mec, la deuxième avec une fille. J'essaye de respecter une parité comme ça, fille-garçon. À la base, il n'y a même pas une volonté particulière, c'est juste logique, c'est le quotidien quoi. Et ce qui m'est arrivé, c'est vraiment très particulier, c'est quelque chose donc que j'ai envie de dire, mais je me dis surtout que si une fille tenait le discours que je vais tenir, elle s'en prendrait plein la gueule. J'ai fait à peu près donc autant de featuring avec des filles qu'avec des garçons. Et à chaque fois, dans les commentaires, il y a quelque chose d'assez merveilleux. Alors forcément, il y a toujours des commentaires négatifs, et des commentaires positifs, ça c'est normal. Mais dans les commentaires négatifs, je me suis aperçu de quelque chose d'assez fabuleux. Quand j'ai un mec que quelqu'un n'aime pas sur ma chaîne, les commentaires ont tendance à dénigrer le contenu qu'il produit sur sa propre chaîne. Alors ça peut être violent, hein, du style « ouais, avec sa chaîne de merde, de toute manière j'aime pas son contenu, c'est pourri ce qu'il fait ». Par contre, à chaque fois que j'ai une fille sur la chaîne, dans les commentaires, ce que je vais lire, c'est des critiques sur... sur son physique, sur le fait qu'elle soit une fille, sur comment elle s'exprime ou elle s'exprime pas, si elle a l'air intelligente ou pas, sur les vêtements qu'elle porte, sur le fait qu'on est couché ensemble ou pas, sur le fait qu'elle est couchée avec d'autres youtubeurs ou pas, etc., etc. C'est fabuleux ça. D'un côté, on juge le contenu d'une personne et de l'autre côté, on juge en fait le fait que ce soit une fille. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est moi qui avais mes règles. Voilà, comme ça, c'est pour ça que je m'énerve. Mais je vous rassure, c'est de l'énervement maîtrisé, hein. D'ailleurs, que vous soyez une fille ou un garçon et que vous vous sentiez du bon côté de la force ou du mauvais côté dans ce que je raconte, vraiment, regardez la vidéo en entier, elle va pas être très longue. Bon, je suis pas féministe, d'ailleurs, je sais même pas si un homme peut être féministe ou pas ou taxé de féministe ou pas. J'ai fait aucune recherche là-dessus, donc je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis pragmatique. Ce que je viens de vous dire sur les commentaires, c'est complètement pragmatique. Comme le fait qu'on puisse apercevoir dans les commentaires qu'il y a des insultes qui sont unisexes. Par exemple, quand une youtubeuse vient sur ma chaîne et se fait insulter de MILF, je me dis, tiens, pourquoi jamais deux mecs reçoivent une insulte un petit peu symétrique? Parce que ça n'existe pas, en fait. Il y a une MILF et il y a un vieux beau. C'est l'insulte la plus approchante, un vieux beau. Et alors, ça m'amène à comprendre quelque chose, des filles qui refusent maintenant de faire des featuring sur les chaînes d'autres mecs, parce qu'elles en ont marre, en fait, de se faire insulter, parce qu'il faut quand même prendre conscience de quelque chose quand on fait une vidéo avec quelqu'un, sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Évidemment qu'on va lire les commentaires après. On lit, on regarde un petit peu comment c'est accueilli, ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez, évidemment. Et quand je vois ce que je lis, moi, rien que sur mes propres vidéos, alors que je crois que j'ai plutôt de base une communauté bienveillante, je me dis que ouais, je comprends pourquoi elles refusent maintenant de faire des feats. Et je comprends aussi pourquoi il y a des filles qui veulent plus se lancer sur YouTube, ou qui arrêtent leur chaîne, ou qui ont un bon projet de chaîne, et qui ne le font pas. Alors forcément, les filles, elles se soutiennent entre elles, mais c'est pas normal. On devrait avoir une communauté mixte un petit peu partout, en fait, et aussi bienveillante. Bon, et puis si on fait une analyse rapide des commentaires, on va pas se mentir, c'est toujours des commentaires issus de la frustration sexuelle. Soit de gens qui arrivent pas à choper, soit de gens qui sont frustrés, soit de gens à qui la fille rappelle quelqu'un avec qui ils ont eu des soucis émotionnels, soit de gens lubriques, soit de gens qui ont des problèmes de libido. Et en fait, ça m'amène à dire quelque chose. Et tu vas voir, la réflexion, elle est intéressante. C'est-à-dire que les mecs disent toujours quand une fille a un problème, elle a ses règles, putain, elle devrait un petit peu se contenir, se retenir, et se calmer un petit peu, ça va quoi. Mais nous les mecs, on n'a pas un changement hormonal en permanence en fait, avec la libido exacerbée qu'on retrouve dans les commentaires, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la vie courante malheureusement. Peut-être qu'elles géreront mieux leurs émotions le jour où on va mieux gérer les nôtres de ce côté-là. Tu vois la mise en perspective des problèmes hormonaux? Parce que vraiment, quand je lis les commentaires sur les chaînes des filles, c'est ouf. Bon, et puis sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur des forums, etc., on le sait très bien, l'anonymat aide et favorise ça, malheureusement. Et puis l'âge des personnes. Et je vais juste finir là-dessus. Que vous soyez un mec qui pense comme moi, quelqu'un qui fait partie de la fameuse majorité silencieuse, ou une fille, faut absolument vous impliquer. Mais pour ça, c'est hyper simple. N'entrez surtout pas en conflit avec ceux qui écrivent ces commentaires. C'est pas ce que je vous demande, vous allez perdre votre temps dans la plupart du temps. Par contre, vous pouvez signaler les commentaires offensants. Et, encore plus important, ne plus laisser l'espace commentaire aux mains et aux prises de ces gens-là. C'est-à-dire, sur une vidéo qui fait 100 000 vues, imaginons qu'il y a 200 commentaires. Sur les 200 commentaires, il y en a 100 hyper violents et négatifs comme ça. Je parle bien de méchanceté gratuite, pas de critique constructive. La fille qui lit les commentaires qui lui sont adressés, elle va lire la moitié des messages, 1 sur 2 là-dessus. Alors que nous, on sait que c'est pas représentatif, puisqu'il y a eu 100 000 vues. Et ces 100 commentaires sur 100 000 vues, c'est que dalle. Mais quand tu lis les commentaires,
c'est la moitié de ce que tu lis. Donc vous pouvez agir en étant vous-même pas silencieuse, c'est-à-dire si vous avez aimé la personne, la vidéo, ce qu'elle fait, vous pouvez mettre un commentaire là-dessus. Vous savez, c'est comme les votes extrêmes, les blaireaux, ils n'oublient jamais de donner leur voix. Et bien là c'est pareil, les gros lourds n'oublient jamais de mettre un commentaire. Donc on peut tous se responsabiliser, moi le premier, en mettant des commentaires sur les vidéos qu'on trouve cool. Quand on voit une fille qui se fait allumer dans les coms et qu'on n'est pas d'accord, et bien ça vaut le coup de mettre un commentaire positif pour contrecarrer ça, parce qu'il faut qu'on reprenne les espaces commentaires aussi un petit peu en main. Voilà, je pense que cette vidéo était un petit peu fouillie, mais je pense aussi que vous avez compris le message que je voulais donner, et c'était pas vraiment un coup de gueule, c'était plus un constat, et peut-être un petit réveil de 2-3 personnes, et au moins ce serait déjà génial. Et maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi j'avais mis ce titre. Si une fille avait eu le malheur de faire exactement la vidéo que je viens de faire, dans les commentaires, on lui aurait dit « Ah, c'est bon, elle a ses règles ».